Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Ok, parfait. Alors, en attendant que tout le monde puisse se connecter, donc ce soir, on va parler vraiment de cas cliniques. On va essayer d'en faire un. Je ne suis pas sûre qu'on arrive à en faire un deuxième. Ça va, on va voir un petit peu comment on arrive à organiser ça. Le principe, ça va être vraiment que je vais vous rappeler le motif de consultation. Et en gros, ça va être à vous de réfléchir sur les questions à poser. Bien sûr, je vais vous aider, je vais vous encadrer. Hein. Le but, c'est qu'il n'y ait pas des questions qui partent à tout va, mais qu'on essaye de construire la consultation ensemble. Quelles sont les questions qu'on poserait en premier quand on est face à un chien comme ça? Et qu'est-ce qui vous semble pertinent? Hop. Allez. Donc, là, véritablement, les objectifs de la conférence, ça va être de comprendre comment mener une consultation de comportement, d'essayer de comprendre, d'apprendre à poser les bonnes questions et de savoir les formuler. Ça, c'est vraiment important parce que c'est pas parce que vous avez les bonnes questions que votre formulation correspondra. Et puis parfois, vous avez vraiment une idée en tête et la façon dont vous allez formuler votre question va pas amener forcément à la bonne réponse. Donc ça va être très important aussi d'apprendre à bien formuler les questions. Et puis essayer de savoir reconnaître les signes d'appel des principaux troubles comportementaux. Alors, vu que là, on va voir un ou deux cas, effectivement, on va pas avoir énormément de troubles comportementaux, mais qu'au moins vous arriviez à capter quels sont les signaux d'appel, qu'est-ce qui vous intrigue par rapport à ce cas. Donc, là, on part sur une chienne husky qui s'appelle Payette, qui est une femelle entière qui a 7 mois et demi. Donc, je vous rappelle le motif des deux consultations. Simplement, en gros, faut considérer que sur votre cahier, quand les gens ont pris rendez-vous, ils ont pris rendez-vous parce que la chienne a peur des humains et depuis quelque temps, elle présente une peur des voitures. Donc réfléchissez, commencez à réfléchir déjà à quand la personne arrive avec son chien et qu'elle vous annonce ce motif-là, enfin que vous savez qu'elle vient pour ce motif-là, comment vous commencez votre consultation, quelles sont les choses que vous allez lui demander, sachant que voilà, les ASV vont vous indiquer que la chienne venait pour peur des humains et des voitures. Donc comment est-ce que vous allez interagir avec les gens? Quelles sont les premières questions que vous allez poser dans ce genre de cas? Qu'est-ce qui vous semble primordial en gros à demander au tout départ quand vous commencez votre consultation de comportement? C'est un peu logique et c'est ce que vous faites exactement dans n'importe quelle consultation de médecine générale ou de médecine de manière classique. Alors, ok, je vois un peu vos questions. Comment votre chienne réagit habituellement avec les humains? Ok, ça c'est bien. À quel âge elle a été adoptée? Je commencerai pas par ça non plus. Tatatata, depuis combien de temps? Voilà, ok. Alors, là je commence un peu à avoir des réponses qui me plaisent un peu plus. En gros, réfléchissez. Vous venez juste de recevoir le client. Qu'est-ce que vous allez lui demander en premier? Expliquez-moi vraiment quel est votre motif de consultation. Parce que vous savez juste qu'elle a peur des humains et depuis quelque temps peur des voitures. Donc la première chose à faire en consultation de comportement, c'est de bien faire préciser le motif de consultation. Parce que vous ne savez pas quand ça a été pris. Ça se trouve, ça a été pris il y a une semaine, 2 semaines, 1 mois, etc. Donc vous ne savez pas comment ça évolue. Donc la première chose à savoir, c'est vraiment depuis quand. Enfin, qu'est-ce qui vous amène? Donc là, le client venait effectivement parce que la chienne a peur des humains et qu'elle présente des phases de crise panique face aux humains quand elle se balade dehors et qu'elle a peur de pas mal de choses à l'extérieur. Et ça, depuis l'adoption. Et ça, il faut que vous le fassiez préciser absolument. Déjà au motif de consultation, en fait, quand vous demandez au client ce qu'il en est, vous pouvez avoir plein, 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 plein d'informations qui vont déjà vous dérouler la sémio sans forcément que derrière vous posiez vos questions les unes après les autres. Donc l'alimentation, le sommeil, le blabla, là, là, là. Ce qu'il faut, c'est essayer de faire parler le client. Et quand vous allez demander pourquoi il vient, il va vous annoncer quelque chose. Et là, vous allez pouvoir embrayer sur des questions à propos de ce motif et ça va vous amener plein d'informations. Donc,
quand je vois dans quelles circonstances réagit-elle, ça c'est très bien. Depuis combien de temps elle présente de la peur, ça c'est très bien. Comment ils réagissent à ces crises, ça c'est très bien. Donc là, il faut considérer que voilà, il vous a dit, la peur des humains. Et en fait, nous on l'a adopté. Moi c'est exactement ce que le client m'a dit, donc je vous explique un petit peu ce qu'il m'a dit. Nous on l'a adopté, elle avait 3 mois, 3 mois et demi. Et les 2 premiers jours, la chienne était pétrifiée, on ne pouvait pas l'approcher. Elle était bloquée contre le mur. Complètement tétanisée, à avoir aucun contact avec nous. Elle refusait de manger si jamais on était dans la même pièce qu'elle. Et elle mangeait uniquement en nos absences. Impossible de la sortir à l'extérieur. Elle était vraiment, vraiment, vraiment très, très stressée. Donc ça, c'est la première chose à vérifier. Et donc, vous allez leur demander effectivement comment est-ce qu'ils réagissaient face à ça. Donc, le propriétaire m'a dit que ils avaient tendance à la forcer. Au bout d'un moment, quand ils ont vu qu'elle était complètement pétrifiée, ils l'ont forcée, ils lui ont mis le harnais, ils l'ont emmenée dehors. Deuxième réaction qu'ils ont eue, c'est qu'au bout de deux jours, ils ont appelé l'éleveur. Donc ça, c'est vraiment important. Ils ont appelé l'éleveur et ils se sont rendus compte, enfin, ils ont dit à l'éleveur qu'ils souhaitaient éventuellement ramener la chienne. Ils n'ont pas eu de réponse véritable de cet éleveur qui les a un peu laissés en plan. Et du coup, ils ont décidé de la conserver. Et moi, je l'ai fait préciser à ce moment-là quand ils m'ont annoncé ça. Est-ce que du coup, vos attentes par rapport à la consultation, c'est d'abandonner la chienne? Et ça, c'est hyper important après votre motif de consultation, de demander quelles sont les attentes du propriétaire vis-à-vis de la consultation. Donc à chaque fois quand on a le motif, derrière, on enchaîne sur les attentes. Notamment quand vous avez des annonces comme ça, où le propriétaire a pensé à abandonner la chienne, ce qui se comprend tout à fait, parce que la chienne était vraiment dans un état catastrophique. Et là, donc, il m'a annoncé que pas du tout. Au contraire, ses attentes, c'était vraiment de savoir comment réagir face aux situations de peur de sa chienne, savoir s'il fait les choses bien ou pas. Donc, une fois que vous avez votre motif de consultation à peu près clair, que vous savez à peu près depuis quand ça évolue et que vous connaissez vos attentes, comment est-ce que vous enchaînez sur la suite? Qu'est-ce qui vous intéresse quand vous avez votre motif de consultation? Et là, je vous invite encore à revenir un petit peu sur vos consultations classiques de médecine. Quelles sont les questions que vous posez ou à quoi vous vous intéressez au tout départ avant de commencer vraiment à poser toutes vos questions? Donc, sachant que je vois à quel âge a-t-elle été adoptée et où, ça c'est très bien. Ouais, condition d'adoption, tu peux enchaîner là-dessus. Ce qui est pas mal aussi de vérifier, c'est l'anamnèse. L'un ou l'autre, que tu commences par le mode d'adoption ou par l'anamnèse, en fait, tout va dépendre de ton motif de consultation. Effectivement, compte tenu du motif de consultation d'une chienne très peureuse, on va suspecter plus ou moins certaines pathologies. Donc, n'hésitez pas à me mettre dans le chat là ce que vous suspectez quand vous avez un motif de consultation comme ça et selon les premières informations que je vous ai données. Et effectivement, on va demander le mode d'adoption. Donc, l'adoption, je vais vous montrer tout de suite. Donc, elle a été adoptée à l'âge de 3 mois, a priori, au salon du chiot auprès d'éleveurs. Tous les chiots de la portée, quand ils l'ont rencontré, étaient très peureux. Et notamment, ils étaient terrorisés par l'éleveur qui ne pouvait pas les approcher. Ouais, syndrome de privation sensorielle, très bien. L'éleveur homme ne pouvait pas du tout les approcher. Il ne se laissait pas du tout approcher par le monsieur. Et la dame, ils en avaient un peu moins peur. Mais en fait, a priori, quand elle présentait les chiots aux personnes, elle avait tendance à... oui, tout à fait, les phobies. Parfait. Elle avait tendance à leur crier dessus, en fait, et à être très désagréable. Donc, déjà dès le départ, le propriétaire s'était aperçu, ou le futur propriétaire s'était aperçu que c'était des chiots peureux. Mais il a quand même choisi cette chienne-là. Pourquoi? Parce que c'était pas la plus peureuse et que vraiment, le format, la couleur, etc. lui plaisait. Donc, malgré le fait qu'ils se rendent compte que la chienne était assez trouillarde, ils ont finalement choisi d'adopter la chienne. Donc, une fois qu'on connaît le mode d'adoption, effectivement, il y en a qui m'ont parlé du lieu de vie. Très bien. Ça, c'est très important aussi de poser le cadre et de savoir avec qui elle vit la chienne et où est-ce qu'elle vit pour que vous sachiez un petit peu vos ressources au niveau du système, donc du système familial. Donc, au niveau du mode de vie, c'est une chienne qui vit en maison avec un jardin en campagne, qui vit avec 4 personnes à la maison, donc le couple, monsieur et madame, et c'est surtout monsieur qui s'en occupe de la chienne. Et il y a 2 filles qui sont déjà adultes. On a également 2 chats et 4 chevaux. Donc là, une fois que vous avez votre mode de vie, c'est vraiment important aussi, par rapport à ce mode de vie, que vous demandiez au propriétaire
comment ça se passe du coup à la maison avec les autres animaux, puisqu'on sait qu'elle est assez trouillarde, et puis avec les chevaux, etc. Donc savoir un petit peu ce qu'il en est. Donc là, ce qu'on sait, c'est qu'avec les deux chats, la chienne, elle a envie de jouer. Elle a envie d'interagir avec eux. Il y en a un qui la terrorise un petit peu parce qu'il est assez caractériel, mais elle est plutôt joueuse et intriguée. Et avec quatre chevaux, au départ, c'était terrible. La chienne ne voulait absolument pas les voir, elle était terrorisée. Et en fait, le monsieur a emmené la chienne matin et soir voir les chevaux. Donc il a fait ce qu'on appelle de l'immersion contrôlée. Et il la récompensait à chaque fois, il attendait qu'elle ait plus de signes de peur en gros, et puis repartait, et donc il a fait de la désensibilisation par l'immersion contrôlée, enfin il a fait de l'immersion contrôlée, hein, qui a véritablement aidé la chienne. Et au jour d'aujourd'hui, donc elle a 7 mois et demi, elle est tout à fait capable de rester à côté des chevaux et elle est plutôt à l'aise. Donc ça, c'est super déjà parce que quand vous avez ces informations-là, vous savez quelles sont les capacités des propriétaires, quelles sont leurs motivations. Parce que vous avez quand même un monsieur qui emmène sa chienne 2 fois par jour voir les chevaux pour essayer de l'habituer. Donc ça, c'est hyper important. Vous pouvez déjà voir un petit peu la relation qui s'est instaurée avec le propriétaire et quelles sont ses capacités et comment est-ce qu'il est capable d'interagir, qu'est-ce qu'il est capable de faire pour l'aider. La troisième chose, avant d'aller explorer un peu plus au niveau comportemental, ce qui est important de vérifier aussi, c'est de connaître l'anamnèse et les commémoratifs de la chienne. Parce que, admettons que ce soit un nouveau client, vous ne connaissez pas du tout les infos. Donc, une fois que vous avez le mode de vie, le lieu d'adoption, c'est important de demander s'il y a des antécédents médicaux. Qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur? Parce qu'après tout, il a appelé 2 jours après l'adoption l'éleveur. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Est-ce qu'il a consulté quelqu'un pour des motifs aussi importants? Donc en fait, il vous annonce qu'il a été chez le vétérinaire une semaine post-adoption, il y a une prise de sang qui a été réalisée. Et là, la vétérinaire a déterminé que l'âge n'était pas de 3 mois, mais plutôt de 5 mois, 5 mois et demi, a priori. Donc, un gros problème aussi sur la vente et sur l'âge de la chienne. Il a fait des tentatives de communication intuitive, donc il a quand même contacté quelqu'un pour essayer de faire de la communication intuitive, et il y a eu une mise sous fleur de Bac, mais sans succès, sans réelle amélioration. Et en plus, la personne qui a fait la communication intuitive a dit que c'était de sa faute finalement si la chienne était comme ça. Donc c'est pas trop convenu au propriétaire. Mais encore une fois, de savoir qu'il a été jusque-là, c'est hyper important parce que ça vous permet de voir son implication par rapport à la prise en charge de la chienne. Il a pris contact également avec une éducatrice canine qui a donc fait tout un suivi avec lui et qui propose des balades canines, et il la voit encore, et qui s'est aperçu que la chienne avait une démarche anormale et une posture anormale lorsqu'elle fait ses besoins. Et donc il y a une dernière visite chez le vétérinaire, donc le 14 avril, où là la vétérinaire s'est aperçue que la chienne était très peureuse en effet, et qu'elle présentait potentiellement une disjonction sacro-iliaque avec une douleur aussi au niveau de la jonction thoracolombaire qui pouvait expliquer cette démarche anormale et ces espèces de mictions et de défécations en posture anormale qui étaient rapportées. Donc une fois que vous avez l'anamnèse et les commémoratifs, si vous étiez en consultation, bien sûr, vous regardez la chienne. Ça, c'est hyper important, hein, de voir comment elle se déplace et comment elle interagit avec vous. Ça, on y reviendra après. Pour tout ce qui est observation dans la salle, on y reviendra après. Donc une fois que vous avez toutes ces premières infos qui mettent un petit peu le cadre, qu'est-ce que vous allez vouloir explorer comme information? Pour ceux qui ont déjà vu des consultations, de comportement, qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit là par rapport à ça? Qu'est-ce que vous voulez poser comme question? Est-ce que vous savez un petit peu comment ça se construit une consultation de comportement ou pas? Alors, consanguinité qui cause ces maladies, ça se pourrait, oui, c'est possible qu'il y ait une consanguinité ou pas. On n'a pas trop exploré cette piste-là. De toute façon, il y avait déjà beaucoup de choses à voir autrement. Activité quotidienne du chien, oui, pourquoi pas. Alors, regardez comment la chienne réagit si elle explore la pièce ou est tapie dans son coin, ça c'est très bien. Je ne sais plus les termes, mais il y a les relations centrifuge et centripète. Tout à fait. Ouais, il va falloir explorer les comportements centrifuge et centripète. Centrifuge, donc centré sur l'extérieur, centripète, centré sur le chien. Donc déjà, je pense que une fois qu'on a à peu près le cadre, donc le client vous a expliqué que la chienne est très trouillarde avec les gens, je pense que avant même d'entamer les comportements centripète et centrifuge, et donc d'essayer d'aller savoir pour l'alimentation et tout le bazar, d'aller explorer, il faut quand même
revoir un petit peu le motif de consultation et essayer de savoir exactement ce qui se passe, qui vous décrive une séquence, en fait. Ça, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que, ok, vous suspectez un syndrome de privation. Déjà, il faut être sûr qu'il n'y ait pas une comorbidité avec autre chose. Donc ça, c'est indispensable et c'est pour ça qu'il faut explorer tous les items quand vous êtes face à un individu. C'est pas parce que vous avez un individu très phobique qu'il n'a pas forcément un déficit des autocontrôles derrière. Donc il faut aller vérifier. Ou qu'il n'y a pas de la sociopathie derrière, surtout qu'elle a 7 mois et demi, cette chienne. Donc elle est typiquement dans la phase de puberté, donc à vérifier qu'il n'y ait pas une sociopathie qui s'installe. Donc bien vérifier tout ça, bien vérifier ses items. Et puis surtout, il faut vous faire décrire les séquences. Ok, vous savez qu'elle est trouillarde, mais est-ce que c'est sûr que c'est de la peur ? Quand vous avez un propriétaire qui vous dit « bah mon chien, il a peur des gens », ok, qu'est-ce qu'elle fait exactement ? Comment est-ce qu'elle se comporte ? Et là, vous devez faire décrire la séquence. Comment est-ce qu'elle se tient, la chienne, quand elle est face aux gens ? Est-ce qu'elle a une posture de telle ou telle manière, etc. Donc là, c'est hyper important de creuser un petit peu plus. Donc, je vais vous montrer des diapos un peu aléatoirement. J'ai un peu mis... Je vous ai plus présenté un cas clinique comme si vous le rédigiez. Mais... Tac. Donc... Avec les inconnus, donc là, le propriétaire, il peut vous décrire, en fait, quand la chienne est en laisse ou quand il y a des gens qui viennent à la maison, la chienne, elle a tendance à fuir. Vraiment, elle fait demi-tour, elle veut partir dans l'autre sens, elle veut éviter les gens, elle fait un détour énorme et elle a la queue vraiment entre les pattes. Et c'est pire avec les enfants et les hommes par rapport aux femmes. C'est vraiment, elle cherche à fuir, vraiment, vraiment. Et il vous rapporte même qu'il y a eu une mixture émotionnelle. Donc, elle s'est urinée dessus face à un inconnu une fois. Pareil, vous pouvez revenir sur comment elle se comporte avec les propriétaires. Donc, on sait qu'avec les inconnus, elle est très trouillarde, que c'est davantage les enfants, puis les hommes et les femmes. Ça, c'est hyper important. Quand on vous dit que la chienne a peur des gens, essayez de préciser s'il y a une typologie de personnes en particulier ou pas. Ça, c'est vraiment important, parce qu'il y en a qui sont phobiques que des hommes avec un chapeau, ou que des femmes avec un parapluie, ou voilà, que des gens qui portent quelque chose en particulier sur eux. Donc ça, c'est vraiment important de le faire décrire, et de savoir comment la chienne réagit. Et à ce moment-là, vous pouvez demander s'il y a de l'agressivité aussi. Ça, c'est hyper important. Est-ce qu'elle a déjà présenté une réaction agressive ? Donc dans le cas de cette chienne, il y a une fois où elle a présenté une agression par irritation sur un enfant, morsure, le propriétaire pense que oui, mais a priori la mère de l'enfant a dit que non, la chienne n'avait pas mordu. Dans tous les cas, en fait, les enfants voulaient avoir contact avec la chienne fuyait, au bout d'un moment ils ont insisté, et elle a fini par se retourner, grogner et pincer, quoi. Peut-être pincé. En tout cas, c'est une agression par irritation. Là, ce qui est hyper important dans cette agression et qui vous apporte des informations, c'est qu'il y a un très bon contrôle aussi. Parce que la chienne, elle a quand même attendu d'être poussée un peu à bout et elle a vraiment fait aucun dégât sur l'enfant alors qu'elle aurait pu perdre le contrôle justement par peur. Donc là, ça veut dire qu'elle a de bons autocontrôles aussi et donc c'est une information qui est hyper importante. Et puis ça vous permet de déterminer le degré de dangerosité de la chienne éventuellement. Là, en l'occurrence, a priori, elle est plus dans la fuite et l'évitement et l'inhibition plutôt que dans l'agressivité. C'est vraiment le seul épisode qu'il y a eu. Par rapport au propriétaire, donc on sait qu'à l'adoption, la chienne refusait véritablement de se laisser approcher. Elle était complètement pétrifiée, très inhibée. Et depuis un mois, il y a vraiment une habituation en force avec de l'immersion contrôlée. Et en fait, pendant la consultation, moi, j'ai pu observer la chienne avec monsieur et une de ses filles. Et on voit qu'il y a une très, très bonne relation qui s'est instaurée avec une de ses filles, où la chienne est vraiment couchée sur le flanc, elle se laisse complètement caresser sous le ventre, etc. Alors que quand monsieur l'appelle, elle vient, mais dès qu'il veut la caresser, il a tendance à avoir un mouvement de recul. Donc ça, c'est hyper important de regarder les interactions, parce que ça vous permet de voir aussi le lien d'attachement, qui est vraiment indispensable et qui doit être bon pour permettre à un chien de découvrir davantage son environnement. Et puis, vous pouvez demander au propriétaire comment il réagit effectivement face à cette situation. Donc, la plupart du temps, le propriétaire, il ne force pas le contact. Il évite et il continue sa route, mais il ne l'empêche pas d'aller voir les gens, au contraire. Et surtout, il la met dans plein de situations. Donc, il va au village, il va partout, en fait, pour essayer de lui faire voir le plus de choses possible. Il nous rapporte également qu'il a des problèmes de rappel. Parfois, elle s'enfuit, en fait... Il ne sait pas trop si c'est de la peur ou du jeu, ça il a du mal à nous le décrire. Mais dans tous les cas, quand la chienne ne revient pas, il est assez fâché. Et quand ils finissent par la récupérer, on a quelques punitions positives, donc c'est-à-dire des petites tapes sur le museau. Ça c'est hyper important aussi de savoir ça.
Parce qu'en fait, ça peut modifier aussi la relation et ça peut expliquer pourquoi la chienne est peut-être un peu moins en confiance avec monsieur. Et ça peut expliquer que la chienne progresse peut-être un peu moins vite. Et encore, elle progresse déjà très très vite, hein, parce que ça fait que 2 mois qu'il l'a et elle a fait un progrès extraordinaire. Hein. C'est des gens qui sont hyper impliqués. Mais il faut l'aider à travailler sur sa communication avec la chienne, parce que plus il sera en renforcement plus positif, plus il pourra lui apprendre de choses et l'aider à découvrir son environnement. Donc ça, c'est pour les infos un petit peu. Donc là, on est déjà dans les comportements centrifuges. Hein. Si on revient un petit peu sur les comportements centripètes, donc ils sont centrés sur le chien. Quelles sont les questions que vous poseriez par rapport justement à ces comportements centripètes donc c'est-à-dire vraiment qu'ils sont centrés sur le chien. Quels sont les items à vérifier un petit peu par rapport à ça? Oui, le rapport avec l'alimentation, tout à fait. Donc les comportements centripètes, ça va être véritablement tout ce qui va être alimentation, prise de boisson, tout ce qui va être sommeil. Ça, c'est hyper important à explorer puisque la chienne peut présenter un sommeil plus ou moins bon du fait de son anxiété. Alors, organisation de l'environnement du chien à la maison, c'est plus sur le mode de vie, mais oui, tu vas en parler de toute façon sur les comportements centripètes, tout à fait. Tu vas poser tes questions sur le somesthésique aussi, le rapport du chien avec son corps, etc. Donc, on va revenir là-dessus et pour réaliser, on fera un point à la fin sur le diagnostic. T'inquiète, de toute façon, on va réfléchir tous ensemble. Donc si on revient sur les comportements centripètes, donc effectivement vous allez explorer l'alimentation et l'eau. Alors là, la consultation, comme on en discute entre nous, elle va pas forcément se dérouler comme ça. Moi quand je l'ai déroulée, très sincèrement j'ai passé je pense 20-25 minutes sur le motif de consultation à tout explorer. Les manifestations, les éventuelles manifestations organo-végétatives, comment est-ce qu'elle se comportait la chienne, comment est-ce qu'ils réagissaient eux, etc. Et en fait, ça m'a déjà amené des informations sur l'alimentation, sur les comportements avec les autres personnes, les comportements avec les propriétaires, les comportements avec les autres animaux, tout plein de questions qui répondent déjà à votre sémiologie. Mais là, je vais vous dérouler un petit peu plus classiquement, entre guillemets, tous les items qu'il faut explorer et vérifier que tout va bien. Donc au niveau de l'alimentation, on est sur une chienne qui est sur des croquettes qui sont de la marque Britcare, a priori hypoallergéniques. Pourquoi des hypoallergéniques? En fait, au départ, elle était sur du Royal Canin Puppy, et la chienne a présentait du prurit depuis un mois, et depuis le passage aux croquettes, a priori, beaucoup de mieux. Donc quand vous savez qu'il y a eu du prurit, bah, ça, il faut vous le noter, parce que peut-être que ça fait partie d'une activité somesthésique, justement, et d'une activité substitutive, et donc d'une chienne qui est stressée et qui s'occupe en se grattant. Donc ça, c'est à explorer. Pourquoi est-ce qu'on explore l'alimentation? Pour vérifier qu'on n'ait pas d'anomalie autour de la prise et pour être sûr que les apports sont respectés aussi. Ça, c'est vraiment important. Donc elle mange 300 grammes par jour à peu près en 2 ou 3 repas. Donc il distribue en général matin et soir et parfois il distribue le midi également. Ce qui est important, c'est de vérifier aussi, enfin vous êtes vétérinaire, hein, donc faut vraiment vérifier que la quantité apportée à la chienne est suffisante par rapport à sa croissance, etc. Donc ça, c'est vraiment important, hein, de vérifier quoi qu'il arrive, même si vous êtes en consultation de comportement, il faut toujours vérifier que les apports nutritionnels sont bons. Donc les croquettes sont disposées sur la couverture. Pourquoi? Parce qu'en fait, le propriétaire s'était aperçu que la chienne, elle retournait la gamelle à chaque fois et qu'elle en foutait partout. Donc finalement, il a supprimé la gamelle et il lui distribue sur sa nourriture. Et donc la chienne mange les croquettes assez rapidement, qu'elle soit en présence ou en absence de la propriétaire, du propriétaire, elle s'en fiche. Ça, c'est important puisque c'est un critère diagnostique de la sociopathie éventuellement. Donc bien vérifier comment elle prend ses repas. Au niveau de l'eau, de la prise de boisson, on n'a absolument aucune anomalie. C'est une chienne qui boit tout à fait proprement et normalement. Au niveau des besoins, donc mixtion, défécation, le propriétaire rapporte que la propreté était acquise dès le départ. Hein, il a observé 2 épisodes de malpropreté, mais c'était au tout début quand elle était très inhibée. Par contre, ce qu'il rapporte, et ça c'est ce qu'il faut que vous vérifiez à chaque fois, c'est l'aspect des selles. Ça c'est hyper important. Toutes les questions que vous allez poser doivent être orientées par rapport à votre suspicion diagnostique. Là, on suspecte effectivement des phobies ou un syndrome de privation, ce genre de choses. On va essayer de savoir quels sont les neurotransmetteurs qui vont être en jeu. Donc moi, je vous en ai parlé pendant la conférence de thérapie
médicamenteuses, des neurotransmetteurs. Et donc, on va essayer de chercher un petit peu si on a plutôt des types noradrénergiques, dopaminergiques ou sérotoninergiques, ou même GABAergiques. Donc ça, c'est important de poser des questions un peu plus précises. Et donc là, le propriétaire rapporte que la chienne présente de manière irrégulière des selles molles avec du mucus, donc des glaires. Donc pas hésiter à le faire décrire, hein, si c'est un aspect translucide, etc., puisque les gens n'ont pas forcément les mots techniques. Et il rapporte également un épisode de miction émotionnelle lors de la peur, et ça c'est hyper important aussi, puisque ça vous permet de déterminer les neurotransmetteurs. Et on y reviendra sur le diagnostic juste après, c'est pas un souci. Au niveau du sommeil, donc, il rapporte que la chienne dispose d'un tapis, qui est situé dans le salon la journée, près de la cheminée, et qui se trouve dans la chambre la nuit. Dès le départ, il l'a mise dans la chambre la nuit, et il a toujours rapporté que le sommeil semblait être en quantité et en qualité normale. Donc c'est une chienne qui dort plutôt bien, qui... n'est pas en hypervigilance la journée, il y a certains bruits qui peuvent la réveiller, mais qui dort plutôt bien et qui présente des phases de rêve. Donc ça, c'est hyper positif. Ça veut dire qu'elle a un sommeil plutôt correct. Au niveau somesthésique, donc ça veut dire le rapport du chien avec son corps en fait, donc effectivement le propriétaire a rapporté qu'il y avait un prurite marqué au niveau des pattes et du dos, qui est moins important depuis qu'il y a les croquettes, mais impossible de savoir du fait qu'il y a quand même une amélioration du comportement, si c'est une activité substitutive ou effectivement un problème autre. Sachant que bah, dans ces cas-là, vous allez vérifier son poil à ce moment-là, éventuellement prévoir une consultation de dermatologie au besoin, mais il faut faire attention de ne pas brusquer la chienne non plus, en la regardant. Donc une fois que les comportements centripètes sont faits, on s'intéresse aux comportements centrifuges. Et donc on a déjà vu ce qui se passait avec les propriétaires et les inconnus. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment ça se passe avec les autres congénères également. Donc les comportements centrifuges, tout ce qui se passe autour du chien. Donc avec les congénères, elle est sociable, et ça depuis le départ. Le propriétaire rapporte qu'elle n'a plus de rappel à ce moment-là, parce qu'elle est trop omnibilée sur le chien, et que par contre, il y a une très bonne communication avec les autres chiens. Quand elle se fait brusquer un peu trop, elle montre très vite des signaux d'apaisement, et ça se passe très bien. Et ce qui est très important aussi, et ce qui rapporte le propriétaire, c'est que quand la chienne est en présence d'un humain qui a lui-même un chien, eh bien, la chienne elle est beaucoup plus à l'aise. Et du coup, elle oublie carrément l'humain, en fait. Et ça, c'est hyper bien, parce que ça veut dire qu'avec un chien thérapeute, guide, la chienne peut se sentir beaucoup mieux. Donc, hyper positif. Avec les autres animaux, on en a parlé déjà tout à l'heure. Donc, les chevaux, très 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 anxieuses, mais elle arrive maintenant à s'en approcher sans souci. Et pareil avec les chats, il y a une belle amélioration. L'agressivité, on l'a déjà exploré aussi. Donc tout ça, en fait, c'est vraiment, en fait, quand vous faites votre consultation de comportement, vous avez vraiment votre feuille de sémio ou de sémiologie où vous devez poser toutes les questions, tous les items à explorer. Mais déjà, à travers le motif de consultation, vous allez pouvoir les explorer. Vous allez pouvoir explorer plein de choses. Par exemple, si dans le motif, il vous dit, bah oui, au départ, elle refusait de manger. Ah bah d'ailleurs, elle mange quoi? Et du coup, ce qu'il faut vraiment, c'est éviter de dérouler votre sémio en mode robot, c'est-à-dire... Bon, alors je vais commencer par alimentation, puis eau, puis machin, puis truc. Il faut prendre les informations qui viennent aux propriétaires, qui vous viennent des propriétaires, ils vous tendent souvent des perches. Et ça vous permet d'explorer déjà tous les items sans être trop carré, trop rigide. Et c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable pour les propriétaires. Donc tout ce qui est agressivité inconnue, propriétaire, on a déjà vu. Après, ce qu'il faut regarder un petit peu, c'est les autocontrôles et comment est-ce qu'elle se comporte en balade de manière générale. Donc on l'a déjà dit, il n'y a pas de rappel en présence de congénères et de manière générale, le propriétaire a du mal à la rappeler. Par contre, elle explore de manière très organisée, elle n'est pas du tout anarchique, elle est plutôt carrée, elle va sentir un petit peu partout. Et par contre, le propriétaire rapporte qu'elle refuse d'avancer en balade quand il se dirige vers le village. Donc ça, c'est hyper important aussi, c'est qu'il vous dit, ben, quand on se balade, voilà, on lui met le harnais. Alors c'est une laisse à enrouleur, donc ça c'est hyper important et c'est ce que vous allez observer aussi pendant la consultation. Vous allez voir le moyen de contention du propriétaire sur des chiens qui ont peur. C'est hyper important d'avoir un moyen de contention qui est très bon. C'est-à-dire que le chien ne peut pas s'échapper et qu'on a un bon moyen de les retenir. Parce que sinon, il y a un danger et pour le chien et pour autrui. Donc ça, c'est vraiment hyper important de faire très attention à ça. Et donc, vous allez lui demander un petit peu comment ça se passe. Donc le propriétaire qui rapporte que voilà, elle se promène. Maintenant, quand elle croise du monde, effectivement, elle est toujours dans l'évitement, dans la fuite. Elle a moins en moins peur des tracteurs qui passent, elle arrive même à ne plus faire de détours. Par contre, à chaque fois qu'il se dirige vers le village, dès qu'elle voit qu'on prend cette direction-là, la chienne refuse d'avancer, elle se bloque et elle cherche à partir. Donc ça, c'est typique, c'est de l'anticipation en fait. Et ça vous permet aussi d'avoir
une indication au niveau des neurotransmetteurs et de savoir comment vous allez traiter votre chien. La dernière chose à explorer ensuite, c'est les phobies. Donc, vous revenez un petit peu sur le motif de consultation et vous dites au propriétaire, ok, donc elle a peur des humains, est-ce qu'il y a d'autres choses qui lui font peur ? Donc, il va vous dire que oui, il y a les bruits de manière générale, et puis tout ce qui est stimulus nouveau, donc à chaque fois qu'elle sort à l'extérieur et il y a quelque chose qu'elle connaissait pas et qu'elle rencontre, elle réagit de la même manière qu'avec les humains, c'est-à-dire qu'elle va avoir tendance à se figer, à reculer, à essayer de fuir, à être dans l'évitement, et toujours la queue entre les pattes. Hein. Vous n'avez absolument aucune posture haute de la chienne. Donc là, avec toutes ces informations-là, vous avez fait le tour. Alors bien sûr, c'est bien plus détaillé. Hein. Il faut considérer que toute cette partie-là où vous posez toutes les questions, où vous allez explorer tout l'environnement du chien et toute la communication que le propriétaire peut avoir avec le chien, ça dure à peu près une quarantaine de minutes. D'accord ? Il faut considérer qu'une consultation de comportement, c'est 1 heure. Donc, vous allez explorer ça à peu près en une quarantaine de minutes. Et vous essayez de vous garder 20 minutes ensuite pour refaire un bilan des symptômes et parler de la thérapie parce que ça va être très important. Il faut que le propriétaire comprenne bien comment ça va fonctionner, la thérapie. Donc, maintenant, vous allez me faire un bilan des symptômes. Dites-moi quels sont les symptômes que vous avez repérés, qui vous semblent importants sur cette chienne. En gros, ce qu'il faut, c'est essayer de transférer les signes cliniques en symptômes pour essayer de déterminer ensuite les neurotransmetteurs qui sont associés et savoir qu'est-ce qu'on va mettre en place comme thérapie savoir quel est votre diagnostic. Donc déjà, faites-moi un bilan des symptômes. Dites-moi tous les signes cliniques que vous avez repérés et transposez-les en symptômes. Et ensuite, on va associer les neurotransmetteurs et ensuite, on déterminera quel est le diagnostic. Donc dites-moi un petit peu tout ce que vous avez repéré comme signes cliniques ou comme symptômes anormaux. Et pendant la consultation, oui, je ne vous ai pas dit du coup, à l'examen clinique, il n'y a pas d'anomalie, la chienne se laisse peu manipuler, elle est très très craintive, quoi, donc elle a les oreilles basses, etc. Elle est très très anxieuse, elle a envie de fuir. Et pendant la consultation, en fait, moi j'ai fait une téléconsultation, hein, c'était pas une consultation en direct, donc là c'était l'examen clinique du 14 avril, c'est une autre consoeur qui l'a réalisé et qui s'est aperçue que la chienne était craintive. Moi c'était en téléconsultation et du coup la chienne était en balade quand j'ai fait la consultation. Et en fait la chienne, on a pu observer qu'elle est passée à côté d'un tracteur, elle n'a pas du tout réagi. Par contre qu'elle a effectivement une appréhension par rapport au propriétaire et qu'elle est très à l'aise avec la jeune fille. Donc ça c'est hyper important quand vous êtes en consultation normale d'essayer de voir quels sont les signes de la chienne, comment elle se comporte dans un environnement qu'elle ne connaît pas, pour un peu poser plus facilement un diagnostic et en savoir plus quoi, et savoir quelles sont les possibilités d'évolution de la chienne. Du coup, vous m'avez pas dit quels sont les signes cliniques, quels sont les symptômes, qu'est-ce que vous avez repéré là ? Il y a plein de choses et je vous en ai donné plein. Je vous ai donné pas mal de petites indications. Donc, quels sont les signes importants sur cette chienne ? Qu'est-ce qui va vous faire penser que le diagnostic, c'est telle ou telle chose ? Alors, adoption tardive, oui. Phobie des humains, enfants, hommes, plus, ouais. Phobie sociale. Pouvant rarement aller à l'agression, séquence normale, oui. Phobie des stimulus nouveaux, ok. Communication parfois inadoptée par le propriétaire, ok. Prurite, activité somesthésique, à se poser la question. Ouais. Miction émotionnelle. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce que vous avez d'autres signes que vous avez repérés ? Il y en a quelques-uns dont je vous ai parlé, justement, quand je vous parlais des neurotransmetteurs. Salmol, très bien. Parfait. Ça, c'est hyper important, puisque ça va être relié à un neurotransmetteur en particulier. Et il y avait autre chose, quand je vous ai dit qu'elle avait tendance à avoir peur quand elle se dirigeait vers le village, qu'est-ce que c'est ça ? Anticipation. Parfait, super.
Hop, donc je vous ai remis le bilan des symptômes qui me semble très important. On n'a pas parlé de l'agression par irritation, effectivement. Donc effectivement, il y a de l'anticipation, des phobies multiples, donc qui relient la phobie sociale, donc des humains, et les phobies de tout stimulus nouveau. Des manifestations de peur, donc ça va être la queue entre les jambes, de la fuite, de l'évitement, des agressions par irritation, mais qui sont bien contrôlées, et des selles qui vont être coiffées de mucus. Ok, donc maintenant, on va les relier à des neurotransmetteurs pour que vous puissiez ensuite mettre en place votre thérapie, notamment médicamenteuse. L'anticipation, c'est dopaminergique. Donc, c'est la dopamine qui est en cause. Les phobies multiples, on voit que c'est des réactions. En fait, ça va avec les manifestations de peur. Toutes ces manifestations de peur qu'elle a, tout ce qui est fuite, évitement, queue entre les jambes, miction émotionnelle, tout ça, c'est des symptômes noradrénergiques. Agression par irritation qui est très contrôlée, donc on va être plutôt dans du dopaminergique également. Et les selles coiffées de mucus, c'est clairement de la dopamine aussi. Donc on a une prédominance de dopamine et un petit peu de noradrénaline aussi. Ok ? Et on a une chienne quand même qui est capable d'adaptation. Au niveau du diagnostic, qu'est-ce que vous allez me poser ? Donc sachant que, je ne sais pas si vous avez suivi un peu les anciennes conférences, mais à chaque fois que vous posez les diagnostics, déjà il faut faire un diagnostic différentiel, ça c'est hyper important. Donc qu'est-ce que vous pensez qu'il y a comme possibilité diagnostique chez cette chienne ? Donc dites-moi un petit peu là dans le chat à quoi vous pensez sur cette chienne et qu'est-ce qu'on a pu exclure, mais qu'est-ce qu'il fallait absolument exclure sur cette chienne et quand on a un trouble justement qui ressemble à un trouble du développement. Donc quels sont les troubles du développement et qu'est-ce qu'il faut exclure absolument avec les signes d'appel. Donc ça sera votre diagnostic nosographique. Donc d'abord vous faites votre diagnostic différentiel et ensuite vous faites un diagnostic d'état, donc savoir si la chienne est en état dépressif, anxieux, phobique, de déficit des autocontrôles, un état instrumentalisé ou un état déréalisé avec une chienne qui est dans un autre monde. Ensuite, vous faites votre diagnostic nosographique, donc HSHA, sociopathe, syndrome de privation, etc. Et enfin, vous faites votre diagnostic de ressources. Donc le diagnostic de ressources, c'est de savoir un petit peu comment le système est organisé. Est-ce que les gens vont être capables en fait de gérer la chienne, est-ce qu'il est bon ? S'il est bon, ça veut dire que les gens sont capables de gérer la chienne, qu'ils ont de bonnes capacités, qu'ils sont plutôt disponibles, qu'ils ont de bonnes connaissances. Quand il est mauvais, en général, c'est que c'est des gens soit qui ne sont pas disponibles, soit qui ne sont pas hyper motivés pour aider le chien, etc. Après, à partir du moment où vous avez les gens qui sont là en consultation, ça veut dire que déjà il y a quand même une motivation derrière, même s'ils n'en donnent pas l'impression, ils sont venus. S'ils sont là, c'est qu'ils veulent faire changer les choses. Donc oui, dans le diagnostic différentiel, il faut penser au syndrome de privation, bien sûr. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre dans le diagnostic différentiel ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme trouble du développement ? Parce que clairement, quand on voit que c'est apparu, que c'est présent dès l'adoption, ça veut dire qu'on est quand même sur un trouble du développement, hein, sur un jeune chien comme ça. Qu'est-ce que c'est les troubles du développement en dehors du syndrome de privation ? HSHA, ouais. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y en a un troisième. Non, sociopathie, c'est pas un trouble du développement parce que c'est pas inné. C'est acquis à la puberté. Donc c'est pas un trouble du développement. Mais vous connaissez peut-être pas. C'est la dissocialisation primaire. Donc c'est des chiens qui ont aucun code, ni avec les autres chiens, ni avec les humains, et qui grognent dès l'âge de 2 mois sur la gamelle, qui défendent leurs ressources, qui n'ont aucun signe d'apaisement quand on les gronde, qui sont capables d'agresser leur propriétaire à l'âge de 2 mois quand ils se font gronder. Donc effectivement, le diagnostic différentiel doit se faire avec les autres troubles du développement, hein, mais avec les signes qu'on a, je pense qu'on sait à peu près où on va. Alors, j'ai vu au niveau du diagnostic d'état, j'ai vu un état anxieux. Ouais, moi ça me va bien. Je pense qu'effectivement cette chienne elle est en état anxieux. Donc il y a plusieurs possibilités sur les états anxieux. Vous avez soit l'état d'anxiété paroxystique. Paroxystique, ça veut dire que le chien va présenter vraiment des crises de panique. Ça ressemble à des crises d'épilepsie en fait. Le chien panique complètement quand il est face au stimulus. Mais une fois que c'est fini, c'est fini. Donc là, vous avez beaucoup de manifestations organo-végétatives, en fait, hein, souvent. Dans l'anxiété intermittente, vous allez avoir un chien qui va présenter de l'hypervigilance, de l'agitation, des manifestations organo-végétatives et des agressions. Et dans l'anxiété permanente, vous allez avoir un chien qui est beaucoup plus dans l'inhibition,
avec des activités substitutives, et là vous n'avez absolument pas d'agression et pas de manifestation organo-végétative. Donc, qu'est-ce que vous pensez que c'est comme type d'anxiété ? Est-ce que c'est plutôt de l'anxiété paroxystique, intermittente ou permanente ? Dites-moi un petit peu ce qu'il en est. Sachant que vraiment, ce que je disais, paroxystique, quand il n'y a plus le stimulus, le chien est tout à fait normal. Il est bien dans ses pattes en permanence. Donc, je vois un peu de tout... C'est ça, vous deux, vous dites les trois. Non, c'est plutôt de l'anxiété intermittente, en fait. T'as quand même une chienne qui reste productive, qui peut agresser. Donc ça peut pas être permanent, parce que tu restes avec des manifestations productives, tu as des manifestations organo-végétatives, donc effectivement tu peux te poser la question entre paroxystique et intermittent. Paroxystique, t'as pas une chienne qui fait des crises paniques, elle cherche à fuir, mais c'est pas non plus des crises paniques complètes face aux gens et face aux stimulus. Et puis c'est surtout qu'en dehors de ça, t'as d'autres manifestations. Par exemple, elle anticipe maintenant beaucoup quand elle va dans certaines directions, donc ça veut dire que t'as de l'anxiété qui est intermittente. C'est pas que par crise, c'est pas que des crises d'anxiété. Donc là, c'est ce que je vois, Uriel Chou qui dit paroxystique car elle n'avait pas peur du tracteur. Ça veut rien dire, en fait, qu'elle ait peur du tracteur ou pas. Elle peut avoir peur de plusieurs choses ou d'une seule chose, c'est variable. Ça dépend de son adaptation et de ce qu'elle a rencontré dans son jeune âge. Mais c'est surtout que la chienne, en fait, il n'y a pas que des crises de... Bien sûr, elle a peur quand elle rencontre les stimuli anxiogènes, phobogènes, mais elle présente aussi de l'anticipation, etc. Donc il y a d'autres moments où elle n'est pas à l'aise. Donc on est plutôt sur de l'anxiété intermittente sur cette chienne. Et après, au niveau du diagnostic nosographique, qu'est-ce que c'est alors ? C'est quoi son diagnostic ? C'est quoi la pathologie sous-jacente ? Est-ce que vous êtes tous d'accord avec la même pathologie ? J'ai vu syndrome de privation. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça ? Ou est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des suspicions ? D'autres choses ? Oui, clairement, c'est un syndrome de privation sensorielle. Ouais. C'est une chienne qui est vraiment en syndrome de privation sensorielle. Après, on peut le grader. Vous avez le stade 1 où vous avez vraiment des stimuli qui sont... très facilement repérable et on sait à quoi la chienne a peur. À quoi la chienne a peur. De quoi la chienne a peur plutôt. Bref, on connaît les stimuli phobogènes. Quand vous êtes en stade 1, donc véritablement la chienne a peur de ça, on sait qu'elle a peur de ça, et une fois qu'il n'y a plus le stimulus, elle est tout à fait normale. En stade 2, vous êtes en état d'anxiété de privation, et donc là, la chienne, on a un peu plus de mal à reconnaître ce qui lui fait peur. Et en stade 3, vous êtes carrément en dépression de privation. Donc là, vous avez un chien qui est totalement inhibé. Pour moi, cette chienne, elle était en stade 3 au départ, hein, quand elle se retrouve complètement pétrifiée, qu'elle refuse de manger en présence des propriétaires, etc. On était presque en état de dépression. Donc on était en stade 3. Et là, désormais, elle est en stade 2. On n'arrive pas exactement à voir... tout ce qui se passe au niveau de ses peurs. On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui lui font peur, mais elle a énormément généralisé et tout dans son environnement a l'air de lui faire peur, même si elle est capable de s'adapter. Et au niveau des ressources, du diagnostic de ressources, donc si vous avez bien compris ce que ça veut dire, je vais vous le reprendre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il est bon ? Est-ce qu'il est mauvais, ce diagnostic de ressources ? Donc sachant que le diagnostic de ressources, c'est les capacités du propriétaire. Est-ce que la chienne est dans un système environnemental qui sera valorisant pour elle, qui va lui permettre d'évoluer. Est-ce que les propriétaires sont capables de l'aider ? Est-ce qu'on a vraiment de bonnes possibilités d'évolution sur cette chienne, quoi ? Vous pensez qu'il est bon, même si la communication, parfois, elle est avec des punitions positives ? Bon, plutôt bon, corriger certains trucs dans la communication, peut-être améliorer. Ou je le fais un peu exprès, il est excellent, le diagnostic de ressources, il est excellent. Il est très très bon, vous avez quelqu'un qui est hyper motivé, qui, enfin,
Encore une fois, hein, vous vous retrouvez avec... Oui, ils sont hyper motivés, très clairement. Oui, 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 le diagnostic de ressources, il est excellent. Il y a effectivement quelques erreurs de communication, mais qu'on va pouvoir corriger. La seule chose, c'est que, franchement, c'est des gens... Il y en a plus d'un, il le dit au départ, hein, qu'il l'aurait abandonné, la chienne. Hein. Il y en aura plus d'un qui l'aurait abandonné et ramené directement. Là, ils ont tenu bon et ils sont hyper motivés pour continuer. Hein. Vous avez vu tout ce qu'il a fait. Il a fait de la communication intuitive. Il a essayé les fleurs de Bac. Il a été avec une éducatrice canin. Enfin, dès la première semaine, il a été chez le véto pour vérifier qu'il n'y avait pas un problème de santé qui puisse expliquer son comportement, etc. Donc, très clairement, il faut se dire que le diagnostic de ressources, il est très, très, très bon. Et oui, il faut éduquer le proprio. C'est pour ça qu'il est venu, tout à fait. Oui. Donc voilà, diagnostic d'état, on est bien en anxiété intermittente, avec un diagnostic nosographique de syndrome de privation de stade 2 et un diagnostic de ressources qui est très bon, avec une très bonne implication des propriétaires. Maintenant, quelle serait votre prise en charge d'un point de vue médicamenteux? Est-ce que vous mettriez en place un médicament, déjà, première chose, et si oui, lequel? Et d'un point de vue thérapie comportementale, qu'est-ce que vous feriez pour essayer d'améliorer cette chienne? Dites-moi un petit peu tout ce qui vous passe par la tête. Sachant que quand vous mettez en place une thérapie, il faut que ce soit tout à fait faisable par les propriétaires et il faut surtout que vous n'ayez pas trop de conseils à donner. En général, on en donne 3 ou 4 grand maximum, mais on n'en donne pas plus parce que sinon ça fait des prescriptions fleuves et le propriétaire ne sera pas capable de tout réaliser. Oui, le proprio, il est OK si on veut. Mais est-ce que sur ce genre de chien, est-ce que tu médicaliserais ou pas? Est-ce que vous pensez qu'il faut une médicalisation sur un chien qui présente ce type de symptômes? Répondez-moi là, tout le monde peut répondre. Il y a 25 spectateurs, tout le monde peut me répondre par un oui ou par un non. Si vous pensez qu'il faut médicaliser ce chien. Est-ce que pour vous c'est un chien qui a des problèmes et qui nécessite d'être aidé par un médicament? Ou est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir sans? Et quel médicament? Dites-moi quel médicament aussi. Je vois des oui, je vois des oui. Je vois un non. Ok. Alors, oui, il faut médicaliser cette chienne. Et je vais te répondre à... je vais répondre au non et expliquer pourquoi. Donc oui, pourquoi est-ce qu'il faut médicaliser cette chienne? Bah parce que vous avez un état pathologique. Vous seriez sur une chienne qui est en état réactionnel, c'est-à-dire qui n'a pas de conséquences de son mal-être, enfin de sa pathologie, pas de mal-être. Vous pouvez faire une thérapie comportementale. Là, certes, la chienne, elle a bien évolué, mais ça reste une chienne qui est phobique des humains. Hein. Elle a peur des humains, elle accepte encore pas complètement le contact avec son propriétaire, même si ça va très bien avec l'une des filles, mieux en tout cas, ça reste une chienne qui est flippée, qui refuse d'avancer dans certains endroits. Donc oui, certes, la thérapie comportementale va énormément aider, mais il faut l'aider par une médicalisation. Parce que pendant ce temps-là, pendant que tu mets ta thérapie comportementale, elle est quand même en détresse, elle présente des signes de détresse, donc il faut absolument qu'on l'aide par un médicament. Mais je comprends le fait que tu aies dit qu'elle avait bien progressé et que voilà. Mais... t'as trop de signes de détresse, t'as quand même une chienne qui a des selles muqueuses de manière irrégulière, hein, enfin irrégulière, donc ça prouve bien que t'as des désordres digestifs qui sont liés à son anxiété, donc il faut que tu la médicalises pour l'aider un petit peu. Qu'est-ce que vous mettriez comme traitement? J'ai vu la sélégiline, ouais, moi je mettrais typiquement la sélégiline, c'est ce que j'ai mis d'ailleurs sur la chienne. Il y a beaucoup de manifestations dopaminergiques, donc c'est ce qu'on a vu, que le sel géant c'était principalement noradrénergique et dopaminergique. Là vous avez l'anticipation, vous avez les selles molles, vous avez tout ce qui est agression par irritation, tout ça c'est typiquement dopaminergique, donc oui, sélégiline. L'avantage de la sélégiline en plus c'est que ça vous favorise les apprentissages, ça va vraiment l'aider à découvrir son environnement, donc ça c'est top. C'est vraiment top pour l'aider parce que la clomipramine, en fait, le souci avec la clomipramine, c'est que comme on a un chien qui est plutôt inhibé, du coup, ça voudrait dire que tu le mettrais à petite dose. Le problème de la petite dose, c'est que tu risques d'avoir un risque que les agressions soient plus importantes. Donc ça voudrait dire que tu mettrais à une dose plus importante, mais du coup tu risques de l'inhiber un peu trop. Là ce qu'on veut vraiment sur cette chienne, c'est continuer à favoriser les apprentissages, vraiment l'aider à renforcer le plaisir de la récompense, etc. Donc la sélégiline, c'est vraiment top pour ça. Donc ouais, sel géant. La posologie, c'est 0,5 mg kilo.
Une fois par jour. En général, on le donne le matin. Faites attention, les boîtes de sel géant dessus, c'est écrit sel géant 8, sel géant 20, sel géant 40. C'est le poids de l'animal. C'est pas la quantité de séligiline qu'il y a dedans. Donc typiquement, vous avez un chien qui fait 8 kg, bah, vous lui donnez un comprimé de sel géant 8. C'est pas qu'il y a 8 mg dedans, c'est juste que c'est vraiment pour 8 kg. Et en fait, c'est bien 0,5 mg kg au niveau de la posologie. Ok ? Au niveau de la thérapie comportementale, qu'est-ce que vous feriez pour essayer d'améliorer cette chienne ? Qu'est-ce que vous mettriez en place ? Qu'est-ce qui vous semble bien sur les phobies ? Comment est-ce qu'on peut essayer de faire en sorte qu'elle soit plus à l'aise avec les gens ? Qu'est-ce que vous feriez par rapport à son mode de vie, etc. Est-ce qu'il y a des choses que vous modifieriez ? Quels sont les conseils que vous donneriez au propriétaire par rapport à ça ? Ouais, un chien thérapeute, pourquoi pas ? Pourquoi pas, puisque ça a l'air de bien fonctionner. Et d'ailleurs, le propriétaire nous a rapporté que quand il fait des balades canines avec l'éducatrice, il y a un chien avec lequel elle s'entend très bien et ça lui permet vraiment de se désensibiliser. Immersion contrôlée et progressive après le début du traitement, aider d'un autre chien qu'elle aime bien, ouais, très bien. Pour la désensibilisation aux humains et stimulus nouveau, ouais. Mmh. Arrêter les réprimandes, ouais, tout à fait. Mmh. On récompense beaucoup, on ne punit jamais corporellement, on la met en contact petit à petit avec les objets de sa peur. Ouais, très bien. Super. Ok. Tout ça, ça me semble très bien. Alors concrètement, moi, qu'est-ce que j'ai mis en place comme, comme thérapie comportementale ? Donc effectivement, le sel géant. Hein. Et donc en thérapie comportementale, j'ai dit au propriétaire de continuer ce qu'il faisait. Ça, c'est hyper, hyper important. Et je vais y revenir après en conclusion sur le cas. De renforcer votre propriétaire en permanence. Quand il fait des choses bien, c'est hyper, hyper important de vraiment le renforcer. Moi, pendant toute la consultation, je les ai félicités de voir l'évolution de la chienne, enfin, qui était juste incroyable en si peu de temps. Ça, il faut féliciter et leur dire de continuer les exercices, qu'elle va davantage y arriver, parce qu'il y a eu quand même une grosse stagnation au départ, hein, et elle a encore beaucoup de phobies malgré tout ce qu'ils font, parce que c'est énorme quand même le travail qu'ils font, et tu as quand même peu d'amélioration par rapport au travail qu'ils font. C'est pour ça que le traitement est hyper important. Je reviens un peu sur le nom de la médicalisation tout à l'heure. Encore une fois, si tu avais travaillé de la même façon avec un chien qui n'était pas pathologique, tu t'aurais réglé le problème en fait. Donc continuer les exercices d'immersion comme il fait, continuer de l'emmener dans des endroits, etc. et faire de l'immersion contrôlée, de la désensibilisation comme il a fait avec les chevaux. Très important et que vous n'avez peut-être pas relevé tout à l'heure, donc il a un harnais mais il a une laisse à enrouleur. Et ça c'est hyper dangereux pour les chiens qui sont phobiques. Donc il faut mettre en place une laisse fixe et un collier ou un harnais anti-traction dans les situations de peur. Donc quand il va dans le village justement, il faut proposer au propriétaire qu'il change de laisse et qu'il ait quelque chose de beaucoup plus... contentif en fait, pour que la chienne soit mieux contenue et qu'il y ait moins de soucis. Je vais proposer aussi de travailler la proxémie lors des rencontres avec les inconnus. Donc c'est-à-dire que quand il va croiser du monde dans la rue en train de se promener, idéalement il fait donc une approche courbe vers les gens et il vient se placer épaule contre épaule à côté de la personne, idéalement avec la fille avec laquelle elle est très à l'aise, puisque ça permettra qu'elle soit plus à l'aise encore de voir que cette fille-là avec qui elle s'entend bien, elle est proche des gens, et donc du coup ça veut dire que ça ne représente pas un danger. Et quand c'est comme ça, on laisse la chienne approcher derrière. Soit elle s'approche et c'est bien, soit elle ne s'approche pas, dans tous les cas on ne force pas, mais on essaie d'avoir une communication posturale qui est très forte, très communicante pour la chienne, en lui expliquant que la personne à côté de laquelle on est n'est pas un danger. Et bien évidemment, arrêt des punitions et travailler en renforcement positif uniquement. J'ai pas mis plus de mesures parce que le propriétaire fait déjà énormément de choses. Donc ça semble largement suffisant et par contre, on fait un suivi indispensable dans un mois. 3 semaines, 1 mois à peu près, hein, vous pouvez avoir déjà des résultats à ce moment-là. Donc voilà pour la prise en charge de ce cas. Et donc on va en faire qu'un seul parce que ça fait déjà 1 heure qu'on discute du cas. N'hésitez pas à poser vos questions par rapport à ce cas-là. Moi, je vais juste revenir un petit peu sur la prise en charge de manière générale d'une consultation de comportement. Véritablement, quand vous avez un client qui vient, la première chose à demander, c'est le motif de consultation. D'accord ? Demandez déjà au propriétaire si le chien ou le chat ne présente pas de danger, si on peut le lâcher dans la salle, et on le lâche dans la salle. Et on le laisse interagir. D'accord ? On le laisse faire sa vie, on interagit le moins possible avec lui. On fait préciser le motif de consultation.
Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Et là, vous faites préciser. Quand il va vous dire, bah, mon chien, il a peur des humains et il a peur de pas mal de choses. Ok, depuis quand ça évolue? Et là, vous enchaînez un petit peu. Et n'hésitez pas, au moment du motif de consultation, à laisser énormément parler le propriétaire. Il va vous délivrer plein d'informations. Certes, il faut qu'il y ait un cadre et que vous dirigiez la consultation. Mais il faut laisser parler les gens aussi un maximum. Et vous allez voir qu'en fait, il vous amène plein d'informations auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. Donc quand on vous dit, quand vous avez des gens qui parlent beaucoup, ben c'est parfait, ils vont vous amener plein d'infos, mais il ne faut pas hésiter aussi à creuser davantage. Donc depuis quand ça évolue, comment est-ce que vous réagissez et surtout comment est la chienne? Pourquoi vous dites que c'est de la peur? Parce qu'il y en a qui vont vous dire, ah ben moi je la trouve agressive, mais en fait elle est en posture basse la chienne et elle est terrorisée. Ou alors, bah, je la trouve peureuse et en fait, quand elle va vers les gens et qu'elle aboie, elle a les oreilles bien dressées, la queue bien dressée, le poil hérissé et en fait, elle a absolument pas peur. Et si les gens s'approchent, elle recule pas. Donc, c'est pas des signes de peur. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire préciser les signaux, la posture du chien à ce moment-là pour bien détailler. Donc ça, vous faites tout détailler, la prise en charge, qu'est-ce qu'ils ont mis en place depuis le début, etc. Une fois que vous avez bien votre motif de consultation et que vous avez bien exploré autour de ça, vous demandez les attentes du propriétaire. Pourquoi est-ce qu'il est là? Qu'est-ce qu'il attend de la consultation? Et ça, c'est indispensable parce que vous avez des gens qui vont finalement venir parce qu'ils veulent l'euthanasier ou ils veulent savoir si on l'euthanasie ou pas. Et quand ça sort au bout de 40 minutes, quand vous êtes en train de proposer votre thérapie comportementale, alors qu'en fait, ce qu'ils voulaient, c'était savoir si c'était OK pour l'euthanasier, bah, ça pose problème. Donc dès le départ, il faut demander l'attente du propriétaire. Une fois que vous avez tout ça, ensuite, soit vous repartez sur la demande du propriétaire et vous explorez davantage, soit vous faites votre sémiologie. Donc bien revenir sur les comportements centripètes, alimentation, eau, sommeil, somesthésique, éliminatoire, donc les urines, les selles. Les comportements centrifuges, donc la communication avec les congénères, avec les autres animaux, avec le propriétaire et avec les inconnus. Savoir comment elle explore son environnement, si les autocontrôles sont présents ou pas, si l'animal présente de l'agressivité. Comment est-ce qu'il se comporte en l'absence des propriétaires? Est-ce qu'il y a des phobies particulières? Est-ce qu'il y a des chevauchements? Ce genre de choses. Et puis, bien sûr, ça au début ou n'importe quand, vous demandez le mode de vie. Quand est-ce que l'animal a été adopté et quel est le mode d'adoption? Est-ce qu'il y a de bons apprentissages? Est-ce que la chienne connaît le assis, le coucher, ce genre de choses? Donc tout ça, c'est les items à explorer. Et là, avec tout ce que je vous ai dit, vous avez déjà des choses bien complètes. Encore une fois, quand vous faites votre sémiologie avec les gens. L'idée, c'est vraiment, moi, ça a duré vraiment une demi-heure au départ où j'ai exploré à partir du motif de consultation et j'ai eu toutes les infos sur les interactions avec les propriétaires, avec les inconnus, avec les autres animaux, avec les congénères, j'avais déjà tout ça. J'avais les phobies, toutes les phobies. J'avais si elle avait de bons autocontrôles ou pas avec l'agressivité et comment est-ce qu'elle se comportait. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu le somesthésique parce qu'il m'a rapporté aussi du prurite. Et ensuite, j'ai pu enchaîner sur l'alimentation, parce que du coup, il m'a dit qu'en changeant l'alimentation, ça allait mieux. Donc là, j'ai enchaîné sur l'alimentation. Qu'est-ce qu'elle avait comme alimentation? Et à partir de là, vous pouvez recentrer et poser bah, l'eau, le sommeil, le somesthésique, etc. Donc vraiment, il faut prendre toutes les informations et il faut prendre les perches que les gens vous tendent quand ils commencent à vous parler de quelque chose. Ne pas hésiter à compléter derrière et à creuser cet item-là. Mais ça ne va pas être déroulé genre « Ok, bah, il mange quoi? Il boit quoi? Machin ?» Et vous déroulez tous vos items. En général, non, il faut prendre déjà toutes les informations qu'on vous amène. Essayez toujours d'orienter les questions. Et il faut toujours dans une consultation de comportement, se dire bah, « Moi, je pense que c'est plutôt ça. » Dès le départ, je me suis dit, quand j'ai vu le motif, « Bon, ça sent le syndrome de privation sensorielle. » Mais qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ça ressemble à un trouble du développement parce que c'est présent depuis le départ. Du coup, qu'est-ce qu'il y a comme trouble du développement? HSHA et dissocialisation primaire. Bah du coup, je vais quand même aller explorer ces items-là. Est-ce que c'est une chienne qui est ultra dynamique? Est-ce qu'elle mordit? Est-ce qu'elle a des postures d'apaisement? J'ai tout retrouvé dans la sémio. Il m'a dit que oui, elle avait des postures d'apaisement, qu'elle n'avait pas d'agressivité envers les propriétaires, qu'elle était plutôt calme, etc. Ok, bah, j'exclus la HSHA et la dissocialisation. Et je suis sûre que c'est un trouble du développement parce que c'est présent depuis le départ. Ok, bah, j'ai mon diagnostic, quoi. Après, quand vous allez explorer, vous avez quand même besoin d'explorer les autres items parce que vous avez besoin de voir la communication avec le propriétaire et sur quoi vous allez pouvoir travailler. Donc ça, c'est indispensable. Et puis justement, comme la chienne, elle a 7 mois et demi, être sûr que ça ne dérive pas vers une sociopathie aussi. Ça, c'est assez fréquent. Ou vers un hyperattachement aussi sur les syndromes de privation. Donc ça, c'est hyper important. Donc je vais regarder un peu vos questions. Le sel-géant agit rapidement, je m'en souviens plus. En général, déjà au bout d'une semaine, 10 jours, tu peux voir des résultats. Sinon, au bout de 3 semaines, 1 mois, tu as quand même des résultats effectifs. Mais déjà au bout de 10 jours, normalement, tu as quelques résultats qui apparaissent.
pour la proxémie, tu vas te mettre à côté de la personne que tu croises dans la rue, c'est ça, en lui demandant au préalable, sinon c'est bizarre. Oui, bien sûr, il faut demander aux gens s'ils sont OK pour participer. Hein. Mais tu vas faire ça, par exemple, avec les gens qui veulent caresser la chienne. Quand tu vois qu'ils sont très intrigués, tu leur dis, bah, écoutez, est-ce que vous voulez bien m'aider? J'ai une chienne qui est très anxieuse, est-ce que je peux venir me placer à côté de vous pour essayer de la désensibiliser un petit peu? Et oui, tu fais ça avec les gens, mais t'en as plein qui sont hyper réceptifs, donc ça marche bien en général. Oui, Alizé avait posé cette question qui m'intéressait aussi. Comment peut-on faire la différence entre un syndrome de privation sensorielle seul et ou de la maltraitance dans l'élevage? Tu peux pas. À part voir qu'effectivement ton animal peut avoir plus de réactions quand tu lèves les mains ou quoi que ce soit, mais même sans ça, en fait, un chien qui a été privé de beaucoup de choses au départ, il n'a pas forcément été maltraité, et pour autant, il est flippé dès qu'il voit un bâton, un truc comme ça, parce qu'en fait, il n'en a jamais vu et qu'il est très inhibé. Donc tu peux pas. À part avoir des preuves, voir comment l'éleveur se comporte avec l'animal, tu peux pas vraiment. C'est pour ça qu'en général, il faut jamais prendre un chiot sur le salon du chiot, il faut toujours aller voir dans l'élevage si vous voulez un chien de race, pour aller voir comment ça se passe dans l'élevage. Et là, clairement, elle est pas... Là, pour le coup, sur cette chienne, on peut être sûr, enfin, quasi sûr qu'il n'y a pas eu de maltraitance. En tout cas, pas de violente, puisque le chien lui met des petites... Enfin, le propriétaire, pardon, lui met des petites tapes sur le museau, et la chienne n'est pas complètement flippée du propriétaire. Elle est moins à l'aise avec lui, mais elle n'est pas paniquée non plus, et elle réagit pas plus que ça quand il hausse le ton, etc. Elle est pas à l'aise, mais c'est pas, elle est pas terrorisée à suriner dessus ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Oui, l'élevage semble carrément mauvais, oui, très clairement. Comment savoir que ça n'en est pas une? Est-ce qu'une ancienne maltraitance changerait notre prise en charge? Non. Non, elle changerait pas notre prise en charge, de toute façon, une ancienne maltraitance. Peut-être hein, que la chienne a été maltraitée, en fait, j'en saurais jamais rien. Mais dans tous les cas, ça change pas ma prise en charge, puisque les signes cliniques sont là, et moi j'ai cette chienne-là au jour d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça même de savoir qu'elle était en stade 3 au départ et que maintenant elle est en stade 2, on s'en fout. Enfin, ce qui compte, c'est qu'on sait que maintenant elle est en stade 2. Donc ce qui s'est passé avant, bah, entre guillemets, ça nous intéresse pas trop. Parce que ce qui compte, c'est la chienne à l'heure d'aujourd'hui. Comment est-ce que je la prends en charge avec les signes qu'elle présente aujourd'hui? Donc non, ça change rien, même si on était sûr qu'il y avait une maltraitance, ça aurait rien changé à notre prise en charge en fait. Donc ça, c'est hyper important. Et ce à quoi il faut que vous fassiez hyper attention, c'est à l'alliance. Et donc moi, c'est ce qui m'a posé un peu de soucis sur cette consultation, où effectivement, j'avais un propriétaire qui avait des idées assez fixes. Et donc là, il faut vraiment savoir communiquer avec le propriétaire. C'est pas parce que vous avez votre diagnostic, que vous savez ce que vous allez mettre en place, que ça va être fait. Donc il faut surtout travailler la communication et savoir comment rentrer dans le monde du propriétaire et comment amener votre thérapie et aussi bien médicamenteuse que comportementale. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des proprios pas motivés du tout qui veulent presque abandonner leur chien? Comment réagis-tu dans ce cas-là? Oui, c'est déjà arrivé. Ben après, s'ils sont là, c'est qu'ils veulent peut-être faire quelque chose. J'en ai eu où c'était pour eux, enfin ouais, avant euthanasie quoi, mais c'était un chien qui était agressif avec les enfants en plus des propriétaires. Donc là, c'était clairement pour voir s'ils pouvaient faire quelque chose, mais c'était presque plus pour le soigner avant qu'il soit donné à quelqu'un d'autre. Finalement, je crois que le chien a été euthanasié. Mais enfin, ce qu'il faut, c'est respecter les demandes des gens, en fait. Enfin, les gens sont là pour ça, bah ok. Soit, si tu penses que le chien est sauvable, tu leur expliques que tu penses que tu peux faire quelque chose, mais si les gens sont pas du tout motivés et ne veulent pas, dans ces cas-là, tu leur proposes des solutions alternatives. Bah, dans ces cas-là, vous pouvez le replacer auprès d'une association, etc. Mais ce qu'il faut, c'est répondre aux demandes des gens et aux attentes des gens. S'ils te disent, bah écoutez, moi je viens pour ça et je me pose la question de l'abandonner, déjà ils se posent la question. Ils te disent pas, je veux l'abandonner, donc voilà. T'en as plein qui viennent et qui disent, bah vous êtes ma dernière chance. Bah ok, bah du coup on va discuter entre nous et puis on va voir ce qu'on peut faire. Et si je vois qu'il y a des possibilités, bah voilà. Et puis après, à la fin de la consultation, il faut toujours dire le pronostic aussi de l'animal. Là pour ce chien, il est moyen, il est bon dans le sens où elle a de bonnes capacités d'évolution, mais on peut absolument pas garantir que la chienne sera à l'aise avec tous les humains, ça c'est sûr. Elle sera mieux, mais ce sera pas la chienne qui ira vers tous les humains hyper facilement, ça c'est clair. Donc il est un peu entre les deux, entre guillemets. Est-ce qu'on peut espérer que la chienne retrouve un comportement normal, même si ça prendra du temps? Est-ce que cette... Ah bah voilà, je viens de répondre à la question sans la voir. Est-ce que cette médicalisation peut-elle maintenir toute la vie de la chienne? Alors oui, c'est une médicalisation qui peut être maintenue toute la vie parce que le sel géant est très très bien toléré, il n'y a pas d'effet secondaire. C'est une molécule qui est vraiment bien.
Je pense pas qu'on ait besoin de la mettre à vie, très sincèrement. Je pense qu'on est parti sur bien 6 mois de traitement. Mais je pense qu'on a, comme on a de très bonnes capacités d'adaptation, une fois qu'elle sera mieux et qu'elle sera habituée à son environnement, pour moi, on pourra arrêter la médicalisation, sachant qu'avec le sel géant, t'as pas besoin de sevrage. Et avec plaisir, Céline, du coup. Mais par contre, voilà, elle aura un comportement plus normal, mais elle sera pas forcément la plus à l'aise avec tout le monde. Voilà. Je vous laisse encore une minute pour poser des questions si vous voulez, et j'aimerais bien votre retour sur la conf. Est-ce que vous trouvez que c'est bien comme ça pour un cas clinique? Est-ce que vous voulez qu'on fasse autrement? Dites-moi un petit peu, parce que c'est un peu compliqué, je trouve, de vous faire des cas cliniques alors que vous avez que le chat en fait pour répondre, et surtout qu'il y a un peu de délai entre ma vidéo et ce que vous recevez. Donc dites-moi si ce format-là, ça vous convient ou pas. Est-ce qu'on fait autre chose? Voilà, faut pas hésiter. Hein. Si ça vous a pas plu, vous pouvez me le dire. Hein. Nous aussi, on est là pour prendre des critiques en tant que formateur et pour essayer de s'améliorer. Donc faut surtout pas hésiter si vous avez d'autres choses à proposer ou une autre formulation du cas clinique. Enfin, j'en sais rien. Enfin voilà, n'hésitez pas à me le dire et à venir me le dire en message privé aussi. Si vous osez pas là, il n'y a pas de souci. Comment faire accepter la médicalisation sur les jeunes chiens? Le sel géant, c'est top. Parce que sur les jeunes chiens, justement, tu as un AMM. En général, ça se fait bien, c'est bien accepté. Et le sel géant, moi, c'est ce que je leur dis aux gens. Que c'est un AMM sur le chiot qui n'a absolument aucun effet secondaire et que tu n'as pas besoin de sevrage. Et ça, du coup, quand tu dis qu'il n'y a pas besoin de sevrage, en général, ça passe tout de suite. Et après, si les gens sont pas... Enfin, c'est de la communication, quoi. Il faut leur expliquer que le chien est malade et que s'il avait une maladie rénale, il faudrait déjà le médicaliser. Donc il faudrait faire telle ou telle chose. Et souvent, les gens comprennent bien. Voilà. Cool, si ça vous a plu, très bien, super. Ok, c'est bien ce format, bah parfait, super. Et bah c'est bien si vous progressez au fur et à mesure des confs. Parfait. Ok, donc si ça vous va comme format, c'est top. Format convient, c'était super pour appliquer. Après les délais, c'est parce qu'on doit réfléchir un peu. Oui, oui, forcément vous devez réfléchir un peu. Mais c'est surtout qu'il y a du délai aussi entre moi quand je parle et quand vous recevez l'info, il y a 20 secondes de délai. Donc du coup, parfois sur la vidéo, vous avez quelques blancs parce que j'attends vos retours d'informations et qu'en fait, vous n'avez pas tout de suite le délai. Donc en plus de la réflexion, il y a encore plus de délai. Donc voilà. Du coup, pour le chat, si vous voulez, on pourra se faire la conf dans la semaine, jeudi ou vendredi, le deuxième cas clinique. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire, enfin, on m'a dit que vous aviez pas mal de visio aussi. Est-ce qu'il y a des horaires qui vous arrangent plus que 18h? Parce que je me disais que 18h c'était peut-être plus pratique par rapport à vos visioconf et à vos autres cours. Mais est-ce qu'il y a des horaires qui sont plus pratiques le matin, en début d'après-midi, ou on maintient 18h, ou plus tard, mais je pense que plus tard on est peut-être tous crevés aussi, mais... Si 18h ça vous convient, on maintient comme ça. De toute façon, n'hésitez pas à me dire. Et je pense qu'on fera la conf jeudi ou vendredi. Il faut juste que je regarde si c'est OK. Et puis dans ces cas-là, on fera le deuxième cas clinique. Et voilà. OK, bah parfait. On maintient 18h si ça vous convient. OK, super. Et bah écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on continue la prochaine en fin de semaine. Bonne soirée !